Coucou, nous sommes en direct. Alors, petit live à l'arrache pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a des gens qui se marrent parce que j'ai dû accrocher mon téléphone avec des. Ouais, je vous expliquerai. Ah ouais, là-bas, j'ai pas mis le. J'ai pas coupé le son d'ordi. Voilà. Donc, on va y aller. On fonce in the kitchen et puis il n'y a rien, mais absolument rien qui est prêt. Ah, parce que j'ai voulu faire plaisir à quelqu'un. Quelqu'un qui m'a dit, ah, tu fais pas de live, tu fais plus de live bouffe. Je lui ai dit, bon, faut aller, je vais faire un live bouffe. Et puis, je lui ai dit, bon, bah, ça va, j'en lance un. Et puis, le temps que j'aille un peu nettoyer la cuisine, parce que c'était le boxon intégral, elle me dit, bah, en fait, je peux pas regarder parce qu'il faut que je m'en aille. Alors Fatima, passe une bonne soirée, amuse-toi bien, et bah tu verras le replay, hein, c'est tout. Il y a des gens qui sont très farces. Hein. Alors je vous montre, il n'y a rien qui est prêt, regardez. Alors on tourne ça comme ça. Voilà, il n'y a que dalle. Il y a juste ça que j'aurais besoin tout à l'heure. Sinon, bah il n'y a rien. C'est Waterloo, morne pleine. Donc il faut que je fasse tout. Bon, alors on va y aller. On va essayer de pas la faire trop longue. Bon, alors je vous pose là en attendant. Ah, désolé, mais les messages. Fait ce que ce sera pour tout à l'heure. Hein. Alors, on y va. Bon, vous avez vu dans le titre ce qu'on va manger ce soir. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais ici, c'était juste pour la déconne, voilà. Faire plaisir à quelqu'un qui n'est pas là. c'est paradoxal. Mais bon. Ah, il y a encore... Oh la vache, tu sors de là ou pas? Non, ça c'est pour les légumes, c'est pas ça, c'est pas le bon. Il faut un petit cube pour les pâtes. Les pâtes et le riz. En même temps, je fais un peu de pub. Je peux le refaire parce qu'ils sont vraiment bons, leurs trucs. On va devoir en racheter. Bon, alors, qu'est-ce que je peux déjà sortir de là-bas? Pour l'instant, rien. Ouais, peut-être piment d'Espelette, déjà. Vu que madame est devenue accro à ce truc. Alors, on va... Voilà, donc ici, j'ai une casserole. Remplie d'eau. Donc je mets un petit cube de bouillon, voilà. Plouf. Je vais rajouter un peu de sel, du sel fin. Hein. Voilà, un petit coup de sel fin. Alors, un petit coup d'huile d'olive, toujours mettre de l'huile d'olive quand vous cuisez des pâtes, voilà, huile d'olive, et je ne mets pas encore à chauffer, Zac, ah oui, à propos, et bon apéro, et puis bonne année, hein. Alors, ce soir, j'ai besoin du brocoli. Alors, est-ce que j'ai encore un brocoli qui est commencé là ou pas? Non. Poivron rouge. Un petit poivron rouge. Ça, j'ai besoin. Donc, j'ai trouvé un joli petit poivron tout à l'heure quand je suis sorti faire les courses. Voilà la bête. Carotte. On va se prendre une belle carotte. Alors, une belle carotte. Ça fera l'affaire. Et du brocoli. Voilà. Et un brocoli. Voilà, pouf. Ça, ce sera pour les légumes. Alors, pour les... Bah oui, il faut les scampis. Alors, les scampis, ils sont...
Ils sont où? Moi, je les avais mis là au-dessus, mais ils sont plus là. Bon. Allez, voilà. Voilà les... Voilà les petits scampis. Vous êtes déjà 5. C'est bien. Bonsoir les 5. On va en mettre un peu là-dedans. Bon, ils n'ont pas eu le temps de décongeler parce que je passerai à la flotte. Alors, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thérèse. 4, 15 et 16. Voilà, avec 16, ça fait 8 pièces chacun. C'est plus qu'assez. Là, on fait couler un peu d'eau chaude. On va accélérer la décongélation. Il faut que je retire la carapace, la fine carapace de ces bestiaux. Donc on les passe vite fait comme ça sous l'eau chaude, ça devrait le faire. Bon, ok, on le laisse comme ça, ça en range. Puis je vous amène là. Et puis il me faut quoi? Il faut un couteau pour couper. Un petit couteau pour couper, on va prendre celui-là que j'ai utilisé hier. Très bien. Voilà, et l'assiette pour récupérer. Pour récupérer mes légumes. Voilà. Donc ça, retour case départ. Et on va s'y mettre. Où est-ce que j'ai foutu mon apéro? Ah ben il est là, c'est bien. Alors, est-ce que vous avez écrit quelque chose dans le chat? Ah, vous êtes 9. Bonsoir les 9. Alors, le chat. Ah ben salut, salut Angie, salut Pénélope. Attends, je vais vous regarder droit dans les yeux. Oh merde, il est parti. Alors, NJ. Elle fait NJ. Ben en principe, Dani ne devrait pas être loin parce qu'elle m'a dit. Enfin, je lui ai dit que je lançais un live. Donc, peut-être que Dani n'a pas envie d'écrire. Ou alors, elle est occupée elle-même dans sa cuisine. Donc, voilà. Bon, ben. On descend ça. Et on se met au boulot. Bon, planche, couteau bien aiguisé. On va d'abord commencer par... Ah oui, j'ai oublié un truc, c'est un économe. Un économe. Ah ben heureusement qu'on bosse assis. Donc on va utiliser la technique habituelle pour... Pour éplucher les carottes, c'est très simple. Moi, je les mets toujours à la verticale. Je fais comme ça. C'est beaucoup plus simple. Et de une. Oula! Je vais en prendre une autre. Celle-là, elle a une drôle de tronche. Bon, on va la couper en morceaux et ça finira dans une soupe. Alors, on en prend une autre. On prend une autre. On vérifie. Ça a l'air d'eux, mais c'est bizarre. C'est bizarre que ce soit un peu trempé. Bon, on la sèche comme ça gentiment. Bon, alors, du coup, ça on vire. Allez hop, ça va à la poubelle. Et on recommence. Donc, on disait donc à la verticale.
télé par là. Ça, ça fait un. Alors, je vais vous montrer une petite technique que j'aime bien utiliser quand je dois faire un émincé de légumes. Quand je veux les avoir très fins. Parce qu'ici, en fait, je vais les passer 2-3 minutes simplement à l'huile d'olive et j'aimerais bien qu'ils restent croquants. Alors je vais vous montrer ça une fois que j'aurai nettoyé ma petite planche. Voilà, donc ça c'est comme ça. Alors moi je fais comme ça, regardez. J'essaie de mettre un côté plat. Vous voyez, je me fais des beaux copeaux de carottes. Évidemment, et à un moment donné, il n'y a plus la place assez pour passer le truc. Bon, ça c'est pour le potage. Vous voyez, j'ai des copeaux très fins qui font à peu près 1,5 mm d'épaisseur. Et ça, maintenant, je vais aller les tailler à la pointe du couteau. Donc voilà, on peut plus tranquillement les mettre comme ça. Et on y va. Alors, on y va. Le couteau, il est super aiguisé. Alors, hop, je n'ai pas vu qui était là. Je reviens. Ah ben, Dani, tu es là. Salut, Dani. Alors, Big Dev Don. Salut, amitié. Tu sais que si tu mets Pepsi à l'envers... Ah, oui, bon, je lirai ça tout à l'heure, il faut que j'avance là, sinon on va jamais manger, nous. Donc vous voyez, avec la pointe du couteau, vous faites des longues allumettes. Voilà, vous avez ça comme résultat. On continue, je vais en superposer un peu plus. Voilà. Ah, mais il y a plein de lives ce soir, j'ai vu. Bon, je sais que Dada, il en fait un demain soir, mais malheureusement, je ne pourrais pas être là pour assister à son live. Il y a Farida qui en fait un. Elle en a fait un hier soir, mais l'image et le son étaient vraiment... C'est dommage, c'était exécrable comme son. À mon avis, ça devait être dû à une mauvaise qualité de connexion. Alors, il y a Marc Ban, le Québécois, qui reçoit un globiste qui va lui expliquer... sa conviction, ses croyances que qu'on est sur une boule qui tourne. Et ça démarre maintenant, je crois. Voilà. Donc Marc Ban, faut d'abord passer sur sa chaîne parce qu'il y a un lien qui renvoie ça vers une autre chaîne dont je ne me souviens pas le nom. Donc si ça vous intéresse, voilà. Comme ça, oui, vous n'êtes pas obligé de rester avec moi. Bon, c'est sympa que vous soyez là, hein. Je dis pas le contraire. Donc ici, simplement, légumes qui vont passer à l'huile d'olive, mais vraiment de façon hyper rapide. Voilà, on va dire que ça c'est le côté le plus fastidieux de la recette, c'est de taper ça enfin, c'est pas des allumettes, parce que c'est des longs machins, mais bon. Alors, ça, c'était concernant
La carotte, on va faire idem. On va faire idem avec le poivron. On va se prendre un bon morceau de poivron. Je vais prendre à peu près ça. Ouais, je dois faire gaffe à mes doigts parce que comme je l'ai bien aiguisé le couteau. Voilà, on va faire comme ça. Impec. Alors, on enlève tout ce qui est blanc qui sert à rien. On enlève des petits machins blancs qui sont pas très bons à manger. Voilà, on va mettre ça, oups, à la poubelle. Si ça veut, ouais, ça veut. Voilà. Et on recommence, on fait pareil ici avec le poivron, on va le couper vraiment en très fine lamelle. Donc je vous dis, ici c'est 1 mm, 1 mm et demi maximum de largeur. Parce que comme ça va, on ne veut pas les cuire longtemps. Faut que ce soit quand même un petit peu cuit, mais qu'il reste croquant sous la dent. C'est pareil, ça c'est assez fin. Allez, zou. Et on continue. Salut le chat. Ah ben on a eu droit du soleil aujourd'hui, mais par contre, qu'est-ce qui fait bien froid? Bah, c'est normal, c'est l'hiver. Ça le fera aussi. Voilà. Poivron, carotte terminé. Voilà, déjà une petite assiette avec des légumes. Et maintenant, on va se faire un petit bout de brocoli. Bon, je vais pas en mettre des tonnes non plus. Avec ça, on sera bien. Un tintin. Voilà. Je prends pas plus que ça. Ça le fera. Et là, c'est pareil. On va d'abord le couper en deux. Et je vais essayer de l'avoir comme ça. C'est pas grave si ça part en miettes. Parce que ça donnera quand même du goût, ça donnera quand même du goût à la préparation. On peut laisser ça comme ça, c'est nickel. Voilà, allez, hop, dans l'assiette. Oui, alors ici, à la maison, on a mis le holà sur la crème. Hein.
on va passer pas en mode diététique, mais disons qu'on va faire de plus en plus attention. Voilà, pour les légumes, c'est terminé. Alors, je vous reviens dans une seconde. Dans une seconde, je vais aller rincer mon couteau et ma petite planche. Ils arrivent. Bon, sur ce, bon app, que mon apéro il chauffe, et ce serait bête de boire un truc chaud. Parce que déjà que je bois tous mes cafés froids, ce serait un comble que je boive mon café froid chaud. Ah oui, t'as raison, je crois que tu as vu. Attends. Dani. C'est pas Marc, c'est le Québec Flat. Oui, mais c'est. Bon, moi, je suis pas abonné à Québec Flat, donc je ne peux pas le savoir. Mais c'est lui qui a fait la présentation de la live de ce soir sur sa chaîne. Et de là, tu es renvoyé vers Québec Flat ou un truc comme ça. Bon, ça, c'est de côté. Alors maintenant, on va s'occuper des scrompis. On y va. Donc. Ah oui, par contre, je vais faire, c'est allumer la casserole d'eau chaude pour les pâtes. Alors. J'ai dit scampi. Et il est là, lui. Hein. Il est là, le petit loup. T'auras un bout, t'inquiète. T'inquiète. Alors, viscère. On enlève les viscères. Si ça veut venir. Allez, viens, mon petit chou, viens par là. Voilà. Tu me laisses bosser, tu auras un morceau après, si tu es sage, sinon. Tu pourras juste avoir la couleur et pas le goût. Des viscères. Voilà. Hop. J'ai quand même prendre. Ah non, j'arrive à marcher ici. Là, je vais prendre ça. C'est bien, tu regardes sagement, t'es gentil. Hein? Regardez.
L'assistant culinaire. Oui, mais tu t'approches pas, tu restes là où tu es. Voilà. Sinon, je vais me franchir. Tu restes là. Tu restes là-bas. Tu auras quand j'ai fini. Ouais, hier soir, j'ai aussi fait des scampis. Et puis, je lui ai refilé des morceaux. Et il a mangé même pas la moitié. En fait, il avait juste envie de loucher dessus, quoi, c'est tout. Parce que si je commence à te donner un petit morceau maintenant, tu vas pas mâcher, donc tu auras ça à la fin. Ok. Bon, comme ça manque de musique, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a envie de chanter, bah, qui ne se gêne pas surtout. Tu restes là. J'espère que j'aurai le temps de nettoyer les scampis avant que mon eau arrive à ébullition. Ce serait bien. Bon, j'ai presque arrivé au bout. Il m'en reste 2, 4, 6, 7 avec celui-ci. Donc, je crois que ça va le faire. J'ai déjà dehors, oui. Ça, c'est bien. Ah oui, excuse-moi, je t'avais foutu un box sous ton nez, je suis désolé, mais t'étais trop près aussi. Hein. Sinon, à part ça, bah, le roman, ça avance gentiment, je m'amuse beaucoup. Alors, j'avais laissé dans un live mon adresse email. Ou éventuellement comment me contacter via Facebook si vous avez envie de figurer dans le live. Eh bien, dites-moi un peu qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, ce que vous faites, et moi je vous ferai faire le contraire. Ah ben oui, c'est moi le patron. Et vous aurez le plaisir de le découvrir quand je vous enverrai. Oui, moi aussi, je t'adore. Non, tu peux me rouler une clope, s'il te plaît, après. Après. Ouais, mais d'abord, je te dois faire. Ouais. After. Merci, mon amour.
Allez, plus que 4, et nous y sommes. Non, parce que j'essaie quand même de finir le tome 2 avant la fin du mois. À mon avis, je vais y arriver sans trop de problèmes. Mon petit rookie, t'es gentil comme tout, mais... Mais oui, mais il y a des scampillons. Oui, mais je vous l'ai dit qu'il aura un bout après s'il est gentil. Ouais, je fais ça. Bon, alors, ce soir, je fais que une, hein, et pas six. Hein. Alors, voilà. Voilà. Tu me donnes une et je fais six. Tu m'en fais une douzaine. Elle n'a pas relevé. S'il te plaît, donc. Donc, envoyez-moi. Avec l'ouverture de cette boîte-là. Donc, envoyez-moi un mail ou contactez-moi via Facebook. Ou comme ça, votre adresse mail n'apparaîtra pas dans le chat, ni sous la vidéo, dans les commentaires. Le petit chou, tu restes tranquille. Bon, eh bien, pour récompenser ta patience, tiens mon petit lapin, voilà. T'as été patient. Je vous ai déjà expliqué que dans le roman, toutes les personnes qui y figurent sont des personnes existantes, à l'exception du maître jardinier et d'une douzaine, très dans les traits. Il y a 13 enfants qui n'existent pas dans la vie. Et je les ai imaginés pour pouvoir les insérer. J'en ai fait deux, hein, mais... Merci, mon amour. Partage bien. Hein. Partage bien. Calcule bien comment tu fumes. Comment je fume? Je fume à la fois, moi. Ouais, ça c'est. Quelle question. Bon, allez, viens. Tant qu'au droit, petit bout comme ça. Voilà. Et après ça, tu dégages. Viens ici. Voilà, tu dégages. Et comme Patchy est jalouse, elle va aussi recevoir un petit bout. Hein, Patchy? Ouais, je vous rappelle que ça, c'est notre dîner à nous, ça. Hein. Bon, c'est pas le vôtre. Mais je reçois même pas un bisou. T'es parti avant que je t'en aie, mon amour. Je suis là, moi. Ah bah viens, je viens ici, je te fais un gros bisou. Voilà. On mange pas des steaks ce soir, on mange des pâtes. Hein. On mange pas des quoi? Du steak. Du steak? Non, je plaisante. Alors, ça, poubelle. Là. Et hop. Les carottes... Je fais une soupe demain. Ouais. Bah, si tu veux, je peux tout éplucher. Je fais la soupe. Voilà. Bon, ça c'est terminé. Carottes, potirons demain. Ça, bon, c'est... Ouais. Je peux manger ça? Ouais. C'est, Alors, on envoie ça promener. On change d'endroit. On va se mettre là. Tranquillo. Alors, ça, j'ai pas besoin. Ça, je tiens ça à l'œil, sinon... Non. Vous vous barrez. Alors, il paraît que j'ai droit à une clope. Eh bien, ça, c'est bien.
l'eau au bout. Et on va balancer les fameuses linguines. Je vais vous les remontrer. Ça, c'est vraiment délicieux. Elles sont vraiment super, super, super bonnes. Alors, on enlève le couvercle. On met ça à la flotte. C'est parti. Et voilà. Et la soirée. Alors, le picador. Où est-ce qu'il y a le pic? Où est le pic? Punaise, un coup de foutu ça, je sais pas où. C'est une merde. Il est là. Parce que si vous ne faites pas ça tout de suite, vous risquez d'avoir des pâtes qui collent ensemble. C'est pas très bon. Donc là, on est parti pour... Le temps de cuisson, c'est 10 minutes. Enfin, c'est 12 minutes en normal. Là, ça fait presque 1 minute qu'ils sont dans la flotte. On va laisser ça comme ça. Et je viens un peu avec vous. Je vous mets là autour des yeux. Si ça fout. Ouais, bah il veut pas pencher la tête en arrière. Bon, tant pis. Alors, qu'est-ce que vous avez raconté dernièrement? Donc, le dernier poste, c'est la saison de Dany, oui, bon, ben voilà. Ah ben. Il vient de sauter sur mes genoux, lui, petit voyou. Alors. Donc, vous avez eu ces recettes faciles. Ça demande un peu de chipot pour les légumes et les scampis, mais bon. Et donc là-dedans, on mettra dans le wok, on mettra de l'huile d'olive, sel, poivre, basilic, origan comme d'habitude. Et à la fin, on mettra un petit peu de piment d'Espelette. Bon, si vous n'avez plus rien à raconter. C'est dommage. Alors, Big Def donne. Ah merde, j'ai tout loupé. Qu'est-ce que t'as tout loupé? Bah tu regarderas la rediff. Je supprime aucune de mes vidéos. C'est rare, extrêmement rare que j'en supprime. En général, c'est YouTube qui s'en charge. Et vu la bibliothèque, j'ai quand même réussi à poster, je ne sais plus quoi, de vidéo dessus, la fin de la première partie. Oh bon. Il n'y a pas grand-chose. J'ai tapé les pâtes dans l'eau. J'ai fini de décortiquer les scampis et découper les légumes. Il n'y a rien d'extraordinaire. T'as rien raté. Pas rien raté. Bon, à part ça, ça réchauffe. Ah.
Alors, c'était quoi votre bonne résolution pour les 2020? Pas de boire 2020, mais ça sent bon. Tout ça, bon appétit à vous. Mais bien sûr, merci beaucoup. Je te remercie beaucoup. En général, manger mal, c'est pas dans nos habitudes. Même si on mange deux fois rien. Regarde ça. Une bonne baguette bien croquante avec un peu de beurre salé dessus. Oh, comme ça. Quoi. Ouais, il faut aimer bouffer aussi. Mais je vais refaire du magret séché et je vais faire de la saucisse séchée. Bon, à mon avis, ça sera début du mois prochain. Ouais. Bah oui. Vaut mieux être un bon vivant qu'un mauvais mort. Bon, il reste pratiquement 5 minutes, donc je vais devoir bouger les fesses. Et on y va. Club terminé. Oui, il faut que vous montrez un truc. Quand je vous disais que les toubibs que je rencontre régulièrement sont hyper heureux parce que j'ai arrêté de fumer. Si vous voyez ça. Alors, de ce que je vais vous montrer, j'en ai déjà acheté à peu près une vingtaine. Vous voyez ça? C'est pas la colonne du congrès, mais... Tu fumes trop! Ben non, j'en fume plus. J'en fume qu'une à la fois, regarde. Et vous êtes là. Hop, 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 hop. Ah, j'ai pas vu le poste. Salut mon petit loup, ça va? Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Alors, bonne année. Bah oui, bonne année à tout le monde. Bon, la bonne santé, ça c'est la bonne santé morale déjà pour commencer. Physique, ça c'est au cas où, quoi. C'est un luxe. Voilà, donc ça bouille, et puis on va attaquer ça. Alors, on rechange d'angle et c'est parti. Donc, le wok, ici, on met à donf. J'ai déjà des craques dedans. Ah, je leur ai dit de ne pas rentrer avec des objets métalliques là-dedans. Alors, ce que je fais, je vais ôter. Alors, vous voyez que dalle en fait. Alors, mon écran me parle, je vous imagine. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les scampis de l'assiette, puisque ça, je les mettrai une petite minute après. J'ai mis le wok à chauffer à fond. Maintenant, on va y mettre direct au presto, on y met un fond, d'abord un petit fond d'huile. On y tape tous les légumes. Voilà, carottes, brocolis, poivrons. Voilà. Ça là-dedans. Je remets un filet d'huile d'olive par-dessus. Je retourne vite fait un petit coup une mousse de pâte. Voilà. Alors, de l'origan, comme il n'y a plus de frais trouvables, ben je mets de l'origan en poudre. Voilà. On fait pareil avec le basilic. Avec du basilic. Voilà. Voilà. Je vais touiller tout ça. Ça. Je mets le capot ici. Ça a fait de ring, donc en principe mes pâtes ne devraient pas être loin d'être un petit peu limite al dente, donc on va vérifier.
sont encore un poil croquantes. Je laisse encore une petite minute. J'ai oublié de saler le poiret. Ça a tendance à sucer tout l'huile d'olive. Faut pas hésiter à en mettre un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais déposer l'escambi. Je vais déposer l'escambi à la surface. Ils vont s'ouvrir, parce que je les ai légèrement empaillés. Donc ils vont s'ouvrir. J'assaisonne pas mes scampis. Ils prendront l'assaisonnement des légumes. Voilà. Et on ferme. Alors je vérifie les pâtes. Je revérifie. Nickel. Voilà. Ça c'est bon. Je finis l'apéro. Alors je rapproche la plante de mini. Ça c'est du mini basilic aussi. On va goûter les papates.
ça c'est fait. Dernière étape, la plus fastoche. Donc ça, on arrête. C'est de dresser les assiettes. Quoique, ouais, je crois qu'on va pas s'emmerder. Hein. Ouais, on va pas s'emmerder. On va tout mettre. Allez. Équitable, équitable. Voilà. Un petit truc, quand vous mangez des pâtes et que vous avez du très bon poivre qui parfume bien mais qui pique pas, vous en mettez déjà sur vos pâtes avant de y rajouter votre sauce ou autre. Voilà, on touille, on dresse. Et j'ai oublié le piment des piment d'Espelette. Voilà. Un peu de piment d'Espelette. Ça, on éteint. Puis on va mettre un petit peu de basilic comme ça dessus. Pour parfumer également les pâtes. Qu'est-ce qu'ils sont ? Ce petit mini mini basilic là, je vous raconte pas comme c'est bon. Et voilà, il ne reste plus rien dans les casseroles, ni dans le wok. Et le tour est joué. Vous avez vu, ça n'a pas pris... voilà, ça a pris une heure, allez. Donc voilà. Ceci, c'est notre petit dîner du soir. Donc, linguine, scampi, poivron rouge, brocoli, carottes, sel poivre, origan, basilic. Et puis, alors, à la fin, une petite touche de piment de Cayenne. Pas piment de Cayenne, piment d'Espelette, voilà. Alors, la table nous attend. J'ai pas mis de fourchette, mais ça va pas tarder. Alors, moi je vais prendre congé de vous et je vais vous souhaiter une bonne soirée en vous remerciant d'avoir été là. Et j'espère que je vous ai pas foutu la dalle. Sur ce, je vous embrasse. À une prochaine.